Tim, nous sommes dans de beaux draps. Je ferais bien ma pression, oui. Vous ne voulez pas discuter avec Monsieur Rotarez pour tirer cette affaire au clair? Ou Monsieur Grimaldi? Je lui en parlerai, oui. Mais on avait déjà eu des problèmes avec les families. Ah oui, que vous est-il arrivé avec les families? Pendant le transport de fonds, on s'était fait attaquer le camion par une voiture verte. Oh mon Dieu, Tim, mais vous n'êtes pas traumatisé cette expérience? Non, ça va, le camion est blindé, ça ne fait pas peur quand nous sommes à l'intérieur. Et c'est là où vous avez pris l'accent? Non, c'était en moto, là. En moto? Ah, oulala, il vous arrivait beaucoup d'accidents, du coup? Oui, bah, j'aime beaucoup trop la vitesse, du coup, oui. Ah oui, je comprends, vous vivez dangereusement, effectivement. Un peu, oui. Bah, là, je crois qu'on se rapproche de plus en plus du danger, si ce sont des gangsters qui vendent de la cocaïne. Oui, j'en ai bien l'impression. Je crois que c'est par ici. Oh, regardez, c'est marqué parking, parfait. Oulala! On m'agave en nous et allons faire le tour? Oui, je vous proposais la même chose, effectivement. Merci, Tim! Pas de problème. Votre conduite s'améliore de jour en jour. Ah oui, vous trouvez? Ah oui, vous aimez la vitesse, mais vous arrivez à échapper à tous les dangers. Oui. Allons là-bas? Oui, je pense. J'attends les gens arriver. Oui, effectivement, ils arrivent à toute berzingue. La course va bientôt commencer. Ah oui, là, je crois que c'est là. Je pense. Cette voiture avec des néons verts. C'est d'un goût douteux. Mais sinon, nous pouvons aller voir les Vagos et leur demander si ce sont des gangsters. Ils nous répondront peut-être par la négative ou par la positive. Vous pensez que si c'était vraiment des gangsters, ils vont nous le dire? Oh bah, je pense, oui. Ils seront peut-être honnêtes sur ce point. Vous ne pensez pas? Je ne sais pas du tout. On pourra le demander après la course, peut-être. Éventuellement. Non, parce que vous voyez, quand je suis arrivée en ville, on m'a dit que la police était corrompue. Alors je suis directement allé à la police pour leur demander s'ils étaient corrompus, ils m'ont dit que non, donc maintenant ce doute m'est enlevé de l'esprit. Oui. Je ne vois pas pourquoi ils m'auraient menti. Je crois que nous sommes pas au bon endroit. Je crois que nous sommes perdus, Tim. On devrait peut-être courir un peu. Ah oui, je vous propose ça, oui j'ai des talons mais je vais faire tout mon possible. Allons-y. Je suis cassé, Tim. Vous ne devriez pas. Je crois que mes talons m'empêchent de courir, c'est terrible! On va arriver en retard. Oh oui, je le crains, mais. Allez-y, je vous rejoins sinon, mais. Je vous retrouve. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus, aide-moi! Jésus, j'appuie sur. Tous mes muscles, mais. Mais cela ne fonctionne pas. Plus, Jésus, tu m'as parlé tout à l'heure et j'ai oublié de te remercier parce que j'étais avec cette histoire de Vagos qui me perturbe, alors... Comment se fait-il? Je vais être en retard? Ah, tu me dis, Jésus, que c'est parce que j'ai mal, c'est ça? Bah, je vais prendre l'antidouleur, peut-être que ça ira mieux. Oh bah flûte alors! Je vais arriver en retard! Parce que j'étais blessée! Par cette connasse qui m'a foutu un pain, alors je lui souhaitais bon courage! Nous avons reçu la position sur le téléphone. La position sur le téléphone? Je retourne à la voiture, je viens vous chercher. D'accord, parce que en fait je ne peux pas courir comme j'ai été blessée par la connasse tout à l'heure. Oh oui, j'arrive avec la voiture. C'est pour ça, je vous attends où? Ici? Oh mais je deviens grossière quand on me fait des misères, effectivement. Oh c'est le stress qui monte!
Nous allons être en retard. Je t'ai à l'heure à la messe, mais pas à la course de karting. Pourtant, je me conduis bien et on me tape dessus. Faut-il que j'aille absolument à l'hôpital ou cela va-t-il m'empêcher de faire la course de cartes? Tim? Je suis seul au monde! Au secours! Je crois que j'entends Tim. Ah oui, c'est Tim! Un très beau klaxon, Tim, mais je crois que vous avez un seul feu qui fonctionne à présent. Je me suis pris le poteau en venant là. Ah oui. Oh mince! Merci, Tim. Vous me devez une fière chandelle. Enfin, je vous dois une fière chandelle, pardon. Pas de problème. Ça me fait de plaisir. Mais je suis blessé, c'est pour ça que je n'arrive plus à courir. Oui, je comprends. Il faudrait que j'aille. Juste là. Ah oui. Oh, vous faites les choses bien, Tim. Il est où le entry? Oh, Tim, je pense que nous avons raté l'entrée, Tim, non? Je crois que c'est là. Oh! Bien joué, Tim! Merci, Tim! Il a l'œil. Oula! C'était moi une! Avec qui on a la reine, on attend le stagiaire. Oula, y'a du monde! Effectivement! Oui, c'est ça? Oh, le petit tutu! Hey, pas Tim. Où ça, un chien? Oh oui! Il est bien mignon. Oh Bernard! Comment ça va-t-il? Attendez, j'ai juste une chose à dire à mon frère parce qu'il faut qu'on se prépare, mais après j'arrête tout de suite. Pas de soucis, Bernard. Les cartes sont juste ici. Je vais voir. Tim, je vais essayer de voir si je peux avoir un médecin juste avant la course. Ok, ils sont juste là, il y en a beaucoup, je crois. Là-bas? Ok, j'espère que je ne vais pas tout rater. Non, je ne pense pas. Un médecin? Quelqu'un? À l'aide? À moi! Je ne les vois pas. Un médecin? Quelqu'un? Excusez-moi? Oui, madame? Excusez-moi, j'ai des petits soucis de locomotion, je n'arrive plus à courir parce que tout à l'heure quelqu'un m'a frappé. Il semblerait que j'ai besoin de soins. C'est vous l'urgence, vous avez appelé? Non, je n'ai pas appelé. Je me trouve en ces lieux. Là, je marche encore, donc je n'ai pas jugé nécessaire d'appeler les secours. Mais oui, juste, mais le médecin était sur le point de me dire quelque chose. Ah, pardon, excusez-moi. J'ai peur de rater la course, c'est pour ça. Bon, écoutez, tant pis, moi j'ai peur de tout rater. On voit personne. Pourquoi toutes ces courses se passent mal? Moi, j'attache ma ceinture, tout se passe bien et finalement, je finis mal. C'est pas juste. Oh putain. Le mec, ça ouais. On a tiré un coup vers 22h, j'aurais besoin de t'en parler à un moment donné. Oh les croûtes. Vas-y, choisis un cœur, tu restes à côté. Oui, mais allez-vous tout ce chiffre, ma soeur, faut la pardonner. Mais ça a été chiant. Vas-y, prenez le cœur si vous voulez, je vous donne, moi je vais faire avec mon collègue. Oh, mais Devon, c'est vous? Mais c'est vous, madame Joséphine, vous êtes. Oh,
Oh oui, Devon, mais j'avais quelques questions à vous poser. Oui, qu'est-ce qui se passe? Justement, éloignons-nous quelque peu parce que c'est, je crois que c'est un petit peu fâcheux. Ok, mais mon collègue il vient parce qu'il il vous inquiète pas, il est pas. Alors, et justement, sans votre collègue, c'est Maurice votre collègue, c'est ça? Non, lui c'est Edwin. Edwin, parce que vous faites affaire avec les Vagos, mon cher Devon? Écoutez, j'ai l'impression qu'ils veulent être employés. Ah pardon, attends, on en discutera après. Oui, oui, vous inquiétez pas. Comment on fait ça? Je ne sais pas. Ah d'accord. Mais c'est fait là. Mais comment on s'inscrit? Mais pourquoi vous me surveillez, monsieur Mystery? Monsieur, est-ce que vous pouvez me dire si c'est pas un le clébard là? Tiens, excusez-moi les gens, c'est ici, ça c'est mon karting présentement en fait. Comment tu sais? Mais c'est il nous compte pour savoir le nombre de courses, je crois. Comment tu sais? Parce qu'on m'a dit que c'était le mien, c'est tout. Bah il a assorti à son pantalon, ça se voit tout de même. Je crois qu'il n'y a pas de pantalon orange. Bah oui, c'est logique. Excusez-moi, messieurs, pour la course, il faut s'inscrire? Je sais pas du tout. Non, bien sûr, c'est sécurisé, on n'a pas les informations sur les inscriptions, essayez d'aller voir peut-être à l'accueil si on a un. À l'accueil, je ne sais pas où c'est, en plus je ne peux pas courir, on m'a foutu un pain tout à l'heure dans la figure et je ne peux plus courir. Regardez, vous avez un médecin. Oui, mais les médecins étaient occupés. Là, j'arrive, je vous soigne. Ah, super, merci monsieur. Au masque original. Je m'appelle Basile Lombric. Basile Lombric, ah bah vous êtes... D'accord, excusez-moi, pardon, j'observais votre masque, il est de toute beauté. Bonjour. Messieurs, bonjour. Vive la justice. Bonjour, monsieur. Vive la justice. Qui est-ce, Olivier Masquin? La justice. Il a l'air d'aimer sacrément la justice. Oui, effectivement. Je pense que ça n'a pas commencé. Vous êtes à tour de chauffe? Non, je crois que c'est à tour de chauffe. Ok. Merci, monsieur Lombric. Et pour s'inscrire, je sais pas du tout comment ça se passe. Attendez, je vérifie si je peux courir. Oh, c'est merveilleux! Oh, j'ai retrouvé le plein usage de mes jambes! Pardon? Vous avez pas de sang sur vous? De sang? Non, j'ai le sang du Christ, c'est-à-dire les bouteilles de vin, mais je n'ai pas de sang, non. Ok, bah, très bien, alors, pas de... Parce que moi, je suis hémophile, donc... Ah d'accord, non, pas de soucis, non, je n'ai que du vin, ne vous inquiétez pas. Et pour la course, vous ne savez pas, il faut s'inscrire, c'est ça? Non, moi, je fais mon travail. D'accord, je comprends. Ok, très bien. Je vais me renseigner auprès de quelqu'un d'autre. Merci encore, monsieur. Allez là-bas, peut-être que c'est... Où ça? Oui, d'accord. Oui. Excusez-moi. Pour la course, il faut s'inscrire? Je sais pas. Bah oui, mais... Ah, il est sur la... Il est là, okay, sur le... On va peut-être avoir besoin de celui là-bas, là. Lequel? Celui qui est sur... en train de se faire exploser là-bas. Ah, oui, c'est fâcheux, c'était pas le meilleur moment d'y aller, alors. Ah, c'est monsieur Amis? Oui, monsieur Amis. On va aller voir le... Vas-y, ouais, go. Attends, je finis d'écrire. On va pas traverser là. Devon, faites attention à vous. Et bien, c'est bon, vous êtes tranquille. Ouh là là, les étincelles! Non, vous êtes bloqués, c'est terminé.
Alors que les concurrents sont... Tim, vous avez réussi à vous inscrire? On est tous inscrits, mais je crois que ouais, c'est après. C'est après? Ouais. Je suis un petit peu perdu. Ah d'accord. Merci, madame. T'as dit tout? On est en... Il y en a un qui vient de passer son premier tour. Oh là là, peu d'action ce soir, c'est magnifique. Alors là, je suis totalement à 32 points de coups de vitamine. Allez, c'est couleur. Allez, les fous. Oui, et après on va voir le monsieur au casque rouge. Oui. Attendez, mais ça fume là-bas. Il y a le feu là-bas. Oui, voilà, ça fume. Oula, c'est dangereux, oui. Ah, ne vous faites pas une Lady Di non plus. Ah non, ça serait terrible. Ah oui, ça serait fâcheux. Oh bah très bien Bernard, et vous-même? Regardez-moi, moi, tout cette odeur de pneus brûlés et d'essence, ça me donne quand même des stimulations. Ah bah oui, je comprends bien, mais j'ai un petit peu peur de ce tunnel, il m'a l'air un petit peu dangereux.
Lequel, celui-ci présentement ? Ah oui, celui-ci, oui, il y a apparemment eu un carambolage dans le tunnel, si j'ai bien compris. J'espère qu'il n'est pas blessé. Ah bah non, j'espère bien. Et Bernard, vous n'êtes pas allé à la messe? Vous m'avez dit que la messe vous intéressait pourtant. Mais si vous m'avez pas vu, j'étais derrière le dernier banc, sauf qu'on m'a appelé un peu précipitamment, sinon je peux rester avec vous, ma Josette. Oh d'accord, très bien, je suis rassurée, Bernard. Oui, mais depuis qu'on se connaît, j'essaye de me mener. L'autre jour, j'ai lu encore un livre. Comment ça s'appelle, dis-donc? Le Premier Testament, je sais pas si vous connaissez. Ah oui, l'Ancien Testament, c'est ça, oui. Alors moi, j'ai lu le Troisième Testament. Le Troisième Testament, c'est... C'est bizarre, c'est quand même pas mal de scènes de sexe. Oh, bah écoutez, bah, c'est pour expliquer... C'est une imagerie, c'est-à-dire il faut bien que les gens se reproduisent et fassent des enfants, mais ce n'est pas explicite non plus. Ou alors vous n'avez pas vu la bonne édition, c'est peut-être quelque chose de grivois. Ah, elle est étrange, votre histoire, c'est... Non, je n'ai jamais lu ça, moi. C'est quand Jésus commence à fouler Marie, sa mère. Oh bah alors, mais Tim, vous entendez ça? Je ne sais pas, moi, j'ai acheté ça au plus. Au plus? Non mais vous vous êtes fait arnaquer, mon cher Bernard, je ne vois pas du tout de quoi. Enfin, je vois les références, mais il ne se passe pas exactement ça. Vous avez entendu Tim? Je vous présente Tim, mon ami, il est aussi très pieux. Ah oui, c'est vrai, mais Tim, vous êtes bien, déjà. Ah oui, vous avez vu Tim, déjà. Et Bernard... Dites à Tim, je ne sais pas s'il a entendu, est-ce que vous avez lu? Non, mais je disais qu'à la main Joséphine que j'avais lu votre livre, là, le livre sur Dieu, tout ça, là, le Troisième Testament. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a de ça? Et donc, je ne sais pas, Joséphine m'avait l'air un peu chamboulée par tout ce qu'il y avait dedans, vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Mais il me dit que Jésus avait des pensées impures, un petit complexe d'Oedipe vis-à-vis de sa mère. Ça vous dirait pas qu'on s'éloigne un petit peu? Oui, oui, c'est vrai que ça crie un petit peu fort, oui. Le testament de toi? Oui, apparemment, selon la version de Bernard, Jésus aurait un petit complexe d'Oedipe avec sa mère. Un petit complexe d'Oedipe un petit peu poussé. Oui, après, au moins, ça peut résoudre quelques problèmes distants, parce que croyez-moi que l'éjaculer comme ça, je ne suis pas tout à fait sûr de ce qui se passe. Oh, mais quels sont ces mots qui sortent de votre bouche, Bernard? Oh bah non, pas exactement, c'est l'Immaculée Conception, Bernard. Oh bah d'accord, mais je pense que vous êtes fait avoir au puce alors. Immaculée, c'est-à-dire que Marie était vierge quand elle a porté l'enfant de Dieu. J'essaye de comprendre un peu mieux l'histoire, c'est quand même, j'essaie de m'y mettre, mais c'est pas si simple. Ah oui, mais je crois qu'il ne vaut... Il vaudrait mieux que vous alliez voir le pasteur, je pense que c'est une source plus fiable. Bah moi je veux bien y aller, mais je veux pas y aller seul, parce qu'on sait pas que ce pasteur, s'il veut pas me faire chanter aigu avec ce dos. Oh bah je... Oula, bah dis donc, mais je vous accompagnerai si c'est ça qui vous fait peur. Parce que par exemple, il est arrivé une drôle d'histoire quand même à mon neveu là, récemment. Dites-moi. Je peux vous dire, bah le pasteur, il a pas bien fini, comme on dit, hein. Ah bah alors... Ah bah il chantait, il était bariton, quand je m'en s'occupais de lui, il était plus que chanter comme Céline Dion, vous voyez ce que je... Ah oui d'accord, oui, comme c'est le Céline que vous avez chanté hier, c'était merveilleux. Exactement, enfin bref. C'est parce qu'il voulait mettre le petit Jésus dans la crèche à mon dos, je crois que j'ai fait. Ah oui d'accord. Les gars, si fait donc, on reste comme dans la pontieuserie, mais quand même, c'est pas ça que ça c'est. Ceux qui viennent de participer à l'écoutage... Ah oui... On va faire la course peut-être. Ah oui, on va faire la course, allons-y. Au nom du Père, hein, comme on dit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, oui. Ah ok. Oula, je me suis fougé quelque peu. Ah oui, bah oui, mais je n'ai pas choisi la tenue la plus adéquate. Première, c'est moi. Vous avez gagné. Pour les filles. C'est là où mes sens plus ? Non, c'est là-bas, retournez là-bas, j'arrive. Messieurs, toutes les personnes qui ont participé à la première course, merci d'aller vous asseoir. Tous les autres, merci de former une ligne au niveau de la ligne de rendement des garages des quartiers. Ne restez pas sur la piste, c'est dangereux. Ne restez pas sur la piste. Oui, c'est vrai. Bichon, t'es déjà inscrit, c'est bon. Ah oui, oui. C'est bon, j'en ai ras le bol de prendre des pommes de pain dans le cul, c'est bon. Bichon ? Oui. Allez, sur la barre. Comment ça se finit? Attends, la barre. Ah, ok. La barre. Madame les policiers, attention, quittez la piste.
Allez, on fait la queue de l'œuf. Ah, oui, qu'est-ce qui se passe donc? Ah bon, j'ai directement là-bas, ok. Faites attention, ne poussez pas, j'ai des plaques. Oula, no. Oula, oula. Attendez. Oh, le pétard, Et levez les mains ceux qui veulent faire la course. Moi, je vais faire la Let's course. Let's go. Bon, toutou. Il y a trop de partisans, je crois. Oh, on a fait gagner le laisse-partir. Ouais, et il s'appelle Edwin. Ok, on peut y aller. Merci. Bonjour. C'est lui qui a vu ce que c'est. Bonjour. Que est-ce que c'est bien? Oui, tout à fait. Merci bien. Mademoiselle, qu'est-ce que vous foutez par terre là? Salut. Ah, je sais pas, pardon. Ouais, merci. Vous vous étirez les cuisses? Pour participer à la course. Oui, Joséphine Le Boccolier, tout à fait. Merci. Et bonjour. Alors, lequel serait plus assorti à mes vêtements? Celui-ci! Oh, mais attention! Oh mince! Excusez-moi, je suis trop pressé! Je suis bien trop pressé de débuter cette course! Je manœuvre, attendez, j'arrive! Arrête! Arrête de pousser la parole! Pas de pas de On sort des codines là! Écoutez-moi bien! J'avais qu'on voit klaxonner quand même, j'ai un plaisir dans la bouche! Vous savez que ça peut finir avec une balle de 9 mm dans la tête et une cuillère avec les mots! Oula! C'est Batman à ma gauche, la police! Bon, écoutez-moi bien! Vous allez faire un tour de chauffe pour voir le circuit. Une fois que vous avez fait votre tour de chauffe, vous vous rangez ici en deux lignes de 5. On s'en fout qui est devant, qui est derrière, ça change rien. D'accord. Ah, ça crisse dans tous les sens. La première ligne lance le départ. Il crisse, lui. Attention! Mais que diable! Que diable! Oula, je blasphème! Je blasphème! Oh, je pensais qu'on allait partir à la 3! Je n'ai pas tout compris! Je suis perdue, mais c'est compliqué ces histoires! Oh oui, c'est technique! Oulala! Oh, salut, mademoiselle! Oh, bah bon courage, Bernard! C'est compliqué les virages! Je crois qu'on allait partir à la 3. Jésus m'avait dit. Qu'est-ce que tu me dis, Jésus? Tu penses à Chirac? Ah oui, ouais, c'était la dernière personne du RPR. Est un petit peu... un petit peu raisonnable. Oui, bah merci, Jésus, pour cette... pour cette entrevue. Merci beaucoup. J'arrive. Madame. Merci.
Eh ben adieu, c'est ma Joséphine. Madame la pieuse. C'est ma Joséphine. La justice est là. C'est Joséphine. Oh là là! Lucille, sortez de la piste, vous allez faire écraser. Oh mais ça c'est... Mais je me vois... Je me vois double. Je prends feu. Je crois que Jésus m'appelle. Je crois que Jésus m'appelle auprès de lui. Je me sens vieux. Est-ce que ça va bien, le fait? Oui, je vois des chiens. Je vais prendre un petit... J'ai un peu de sang sur mon polo. Oui, je vais vous prendre... Appuyez-vous contre moi. Oui. On y va. D'accord, merci. Oh, c'est fâcheux. J'étais prête à commencer sur la course et... Et je me vois double. Ok, on va s'arrêter ici. Oui, j'ai perdu mes esprits. Ok, ouais. Super. Maintenant, je vais vous soigner. Oui, merci. Mais c'est quoi votre problème? C'est quoi? Oui, Bernard, je rejoins la lumière, Bernard. Moi, je vais faire la course et la salaire. Oui, bah, bon courage. Sors, on rejoint ton quartier. Oh, merci, docteur. Je vous en prie, madame. Ça va mieux? Ah oui, ça va un petit peu mieux, mais je me vois encore au loin. Je vais vous donner des antibiotiques. Oui. Vous nous en prenez un maintenant et un dans 2 heures pour éviter l'infection avec les plaies. Ah oui, je comprends, merci beaucoup. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Merci beaucoup. Et buvez beaucoup d'eau. Hein. Je vais boire de l'eau, ne vous inquiétez pas. Mais j'espère que votre chemisier n'est pas trop cher. Il est fort. Ah bah si, il est de marque Gucci. Ça va me faire une petite fortune, ça. Terrible. Mais du coup, je crois que même un pressing, ça te suffira. Ah bah oui, ça ne suffira pas, mais la course, je ne pourrai pas y participer, du coup. Ah non, votre carte a explosé. Ah mince. Ah bah c'est confusant. Oui, merci. Ah oui, vous avez raison. Ah bah je suis abattue. Ça va, madame Boccoli, vous allez mieux? Ah bah je suis abattue, je voulais faire la course et j'ai implosé. Ah oui, on a vu. Bah comme Daniel, la dernière fois, vous avez 5 ans maintenant. C'est vrai que j'ai explosé. Bah oui, bah j'ai cru vous rejoindre Jésus l'espace d'un instant, mais... Oh, vous n'avez pas dit, Joséphine, on a été radié de l'église. Radié de l'église? Vous avez été excommunié? Oui, exactement. Mais qu'avez-vous fait pour être excommunié, les croûtes? Le prêtre nous a tapé. Mais c'est un homme pieux, encore une fois, il ne pouvait pas vous taper, et puis... Si, il pouvait. C'est Dieu qui m'a dit châtiment, tout ça. Mais du coup, il vous a excommunié après? Bah oui, quand après, on l'a frappé en tout parce qu'on me frappait. Oh, mais c'est la double peine. Ah oui. Pensez que c'est grave? Oh bah oui, vous allez dans l'enfer, il faut trouver une façon de réintégrer l'église. Non, ça ira. Votre prêtre, il a des petites rumeurs qui suivent quand même. C'est-à-dire? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme rumeur à propos du prêtre? Déjà, il va au strip club. Ouais, mais ça, c'est pas une rumeur, c'est avéré. C'est vrai. Il est pardon, il est quoi? Je n'entends que des klaxons. Il est allé avec Lorenza. On l'a vu, elle nous l'a dit. Comment ça, il est allé avec Lorenza? Attendez, éloignez-nous un peu parce que je n'entends que le crissement des roues. C'est confus et en plus, j'ai des acouphènes après mon accident donc. Bonjour. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a? Lorenza et le prêtre? Je n'ai pas tout compris. Ils sont allés au strip club. Oui. Au strip club, c'est-à-dire? Alors, oui, les femmes toutes nues là qui dansent. Les femmes toutes nues qui dansent? Mais ce n'est pas l'île d'un prêtre! Oui, nous a dit. Oh mon dieu, mais. Mais c'est terrible comme histoire, mais. Oui, après il nous a frappé, il a dit c'était quoi déjà? Châtiment, moi j'ai reculé. Oui, j'entends des grossièretés, effectivement. Il a dit c'était quoi? C'était le châtiment. Châtiment. Le châtiment, mais le... Oui. Mais c'est un petit peu rude, mais... Il nous a amené derrière l'hôtel, oui, à l'abri des regards, et il nous a tapé. Oh, mais c'est affreux, mais quel est ce pasteur? Mais... Vous ne trempez pas qu'il... Vous ne pensez pas qu'il trempe avec des malfrats, tout de même? C'est pas... Nous, on... C'est juste qu'il nous a frappé. On a appelé la police après et personne ne nous croit. Oui. Oh, bah alors, mais... Et j'avais une question, les croûtes. Oui. Connaissez-vous les vagos?
Non, non. Non, vous ne connaissez pas les Vagos, ok. C'est le gang, c'est ça? Un gang? Je crois. Je sais pas, moi. Oh, mais les rumeurs se confirment. Je crois, oui. Il me semble avoir entendu un policier dire ça un moment, mais je suis pas très sûre, vous savez, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses souvent. Bah oui, c'est ça, oui. Je suis fort embêtée parce que j'ai repris l'établissement du restaurant et j'apprends qu'on a été racheté par une holding et apparemment ce sont les Vagos. Alors je voulais savoir ce sont... Je pense que c'est pas pour. Oui, je sais pas. En fait, on les connaît pas du tout, donc j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. D'accord, ok. Je suis fort embêtée pour votre excommunication. Ça fait beaucoup d'informations à digérer en même temps. Oui, mais vous aimez quand même, Joséphine? Pardon? Vous aimez quand même? Bah, vous êtes attachant, on va dire. Oui, t'as vu, on est attachant, Daniel, t'as entendu? Et... Et c'est vous qui avez ramené le cochon dans l'église? Oui, c'est moi, ça. C'est son cochon. Mais un cochon n'a pas sa place dans une église, enfin. Il est sorti, là, c'est bon? Oui, il est parti, c'est bon. Et où est le cochon, maintenant? Il est au vignoble. Ah oui, c'est vrai. Parce que moi, j'ai appelé mon chien, et puis depuis, il est mort. J'ai eu une notification sur mon téléphone. Vuitton, repose en paix, hein. D'accord, merci, une notification. C'était un chien que... Ah bah oui, je l'avais fait mettre une puce particulière, et j'étais informée en temps réel... Et il a vécu des belles aventures, il était traîné derrière le camion. Bah oui, enfin il a quand même un petit peu souffert, je pense, le pauvre. Oui. Comme le puma, finalement. Il a arrêté de le prendre, vu ton pédale. Mais bah... nous, c'est comme notre cochon. Et le puma, je sais pas où il est, il va comment, Antoine? Pardon, il est... Oui, puisque il s'appelle Antoine, du coup j'ai eu un petit temps... Oui, Antoine, c'est son puma. Me demandais pourquoi. Et c'est moi aussi. Moi, j'en mets Antoine Prout. Le puma, je sais pas où il est, parfois il revient. Oui, moi aussi. Il fait sa vie un petit peu, mais c'est un animal sauvage. Hein, ah bah oui, mais comme mon Vuitton, c'est vrai que des fois il arrivait, il tressautait, il repartait aussitôt. Oui, mais juste jamais, Daniel, mon cochon. Il se passe à des endroits. Comme à l'hôpital notamment. Oui, puis à l'église aussi. Ah oui, bah il a tendance mais à se penser un peu. Il était mort. Et après il a dans l'ambulance aussi. Ah oui. Et dans la limousine, il s'est coincé aussi dans la limousine. Oui, c'est vrai. Et dans l'hélicoptère. Dans l'hélicoptère aussi, il s'est coincé dans l'hélicoptère. Ah oui, il lui est arrivé plein d'aventures à ce petit cochon. On en dit beaucoup, hein, vous savez. Ah bah oui, je vois ça. Vous ne changez pas les croûtes, décidément. Non, mais ça fait plaisir de vous voir, en tout cas. Ah bah oui, les croûtes, ça me fait plaisir de vous voir. Mais même si je suis peinée de savoir que vous avez été excommunié et que ce prêtre trempe dans des affaires un petit peu louches. Oui, on aura essayé quand même. Au prêtre? Oh bah je ne voudrais pas faire une mauvaise manœuvre en pensant l'accuser de choses alors qu'en fait c'est faux. Bah, il nous a quand même trompé. Oui, mais il y avait des témoins. Est-ce qu'il y avait des témoins? Bah non, enfin je crois que ça va être à moi, je crois que ça va être à moi. Vas-y. Il va gagner la course et après on s'arrête. Oh là là. Ah mais il y a encore une course parce que mon carte a explosé, j'aimerais bien la faire tout de même. Oui mais je crois que vous n'êtes pas qualifié du coup. Ah oui, c'est pour la suite. Ah mais je vais lui demander m'auto-médiquer. Ce n'est pas très prudent, vous me disiez... On en a donné, c'est les médecins. Ah oui, mais Doctissimo ne suffit pas pour se soigner, il faut faire appel à un médecin. C'est vrai, c'est pas une bonne chose. Bah oui, mais faites attention, vous allez faire une overdose. Non, je vais mieux. Vas-y. Qu'est-ce qu'il a dit avec le buisson? Je sais, peut-être qu'il va faire pipi. Ah oui, c'est ça, je pense. Derrière un buisson. En tout cas, ça ferait sens. Mais il fait pas la course, du coup. Ce n'est pas terminé, si? Non. Moi, j'ai du mal à suivre. Vous savez, il se passe beaucoup de choses. Ah oui, là... Entre votre carte qui explose et le prêtre qui nous tape... Ah oui, ça fait beaucoup de choses en même temps. On ne sait plus trop où donner de la tête. Mais par contre, on a été repris par Donatien. Ah, vous retravaillez pour Donatien? Oui, on a pris des raisins et puis mon cousin il a fait un petit malaise parce qu'il faisait très chaud. Ah oui. Et maintenant ça va mieux. Oh, un homme au grand cœur, ce Donatien finalement. Oui, mais on l'a payé pour que... Enfin, c'est pas nous, c'est Kidi, il a payé pour qu'il nous reprenne. Ah d'accord, ok, mais c'était un peu une figure paternelle pour vous finalement. Oui, c'est ça. Ah, c'est un grand homme, il nous aide beaucoup. Ah, c'est un grand homme, c'est un petit peu un escroc, mais finalement il a un grand cœur. Enfin, à la messe, il a quand même fait de la publicité pour son entreprise, et puis... Mais il a faut pas voir ça comme mais de la pub. Mais en rien. Oui, mais il sait que ses produits sont qualitatifs et c'est... Il veut s'assurer que tout le monde puisse les goûter. Certes, mais il a quand même annoncé sa candidature au municipal de la ville et je trouvais que l'endroit n'était pas très approprié. Vous étiez au courant de ça, au moins? Oui, il y a quelqu'un qui est mort sur la route. Oh non, il va rejoindre Jésus aussi. Oui, il a annoncé sa candidature
sûr. Mais moi, je pense qu'on peut apporter que du bien, vous savez. Oui, mais enfin, l'église n'est peut-être pas l'endroit le plus approprié pour cela, non? Ben, je sais pas. Moi, on m'a frappé dans l'église, donc à partir de ce moment-là, je sais plus trop, je vous avoue. Oui, je comprends. Effectivement, ce n'est ni le lieu ni l'endroit pour vous frapper. De toute façon, on ne frappe pas un jeune comme vous, un jeune chien fou comme vous. Et je vous avoue que les policiers nous ont dit de faire attention avec lui parce que, soi-disant, il touche des enfants. Ah oui! Ah oui, mais ce n'est pas une dame qui s'est repentie à l'église après avoir reconnu, avoir tenu de fausses allégations? Oui, si, je crois. Mais dans tous les cas, nous on y est allé parce qu'on a dit que c'était pas grave parce qu'on n'est pas des enfants. Ah oui, de d'accord. De quoi tu parles? On parle du prêtre. Oui. C'est bien? Oui, j'ai fait pipi. Oui. Oui. C'est bien. Et du coup, tu participes à la course? Bah, c'est après. Ah d'accord. Bah, j'étais plus sûre. Bon bah, c'est Antoine qui fait la course? Oui. Mais en vrai, c'est long, je sais pas ce que je veux faire. Et Daniel, vous ne l'avez pas fait? J'ai pas été qualifiée parce qu'on m'a retournée au début. Ah oui, d'accord. Ah bah, on vous retourne à l'église, on vous retourne sur le karting. C'est quand même une drôle d'aventure. On nous retourne de partout. Ah bah oui, vous faites retourner dans tous les sens, c'est pas terrible. Fatiguée. Parce que la course, ça m'a écrasé le cerveau, la course. Ah bah oui, oui. Et moi donc? Ah bah oui, mais surtout vous, parce que vous avez explosé quand même, hein. Ah bah oui, oui, j'ai vu la lumière. J'ai même vu un dédoublement et je me voyais dans le kart en train de prendre feu, c'était fâcheux. Ah oui, ça arrive, ça m'est arrivé déjà. Bah oui, et pourtant je n'étais pas sous l'emprise de la drogue, hein, je vous rassure. Ah oui, non, mais c'est parce que vous savez, on est dans une ville qui est très haute en fait, du coup il y a moins d'oxygène et parfois... Ah oui, ça va être ça alors. Oui, c'est pour ça. Il faut faire attention parce que le soleil il tape fort. Oui, ça, oui, malgré mon chapeau, mais ça ne suffit pas visiblement. Oui. Après, je vous avoue que faire du karting avec un chapeau, c'est peut-être pas non plus la meilleure chose niveau. Ah bah c'est peut-être ça qui m'a sauvée finalement de ma chute. Ah, sinon j'aurais trépassé. Peut-être, c'est possible. Tel le rat de Lorenza, je ne sais pas si vous avez eu vent cette histoire. Il est mort, non? Il est mort, puis il est revenu à la vie. Puis il est remort, puis il est revenu à la vie, puis après il est remort encore derrière. Bah c'est comme mon cochon. Ah oui, bah c'est un petit peu, oui, comme Daniel, c'est ça. C'est un peu mon puma aussi, oui. Oui, bah effectivement, c'est confus ces histoires. Jésus pratique le ressuscitage de façon aléatoire, j'ai l'impression. Oui. Oui. Nous, on nous a demandé d'arrêter de tomber dans le coma parce que sinon on allait nous garder à l'hôpital. Oui. Pour toujours? Pas non, quelques temps. Ah oui, d'accord. Et maintenant, vous avez mieux le contrôle de vos membres, c'est ça? Maintenant, on fait un peu. Bah, je suis quand même tombée dans le coma, mais qu'une seule fois, que deux fois aujourd'hui. Ah bah, bravo, bah vous progressez, Antoine. Non, je, que deux fois, ça va. Oui, bah moi, non. Bah bravo, vous progressez, vous êtes en bonne voie. Merci. Oh, c'est déjà ça. Les médecins ne sont plus en épuisement professionnel maintenant, c'est beau. Bah non. Bah c'est qu'ils ont de plus en plus de travail et du coup, on les embête. Bah oui, je comprends bien. Puis si tout le monde fait comme les croûtes, on n'est pas rendu et sorti de l'auberge, n'est-ce pas? On embête tout le monde. Donc nous, on essaye de leur alléger le travail un petit peu. Mais bon, en même temps, quand on travaillait chez eux, on leur allégeait vachement le travail parce que ils se soignaient l'un l'autre. Bah oui, et ça, faut qu'on leur dise parce que du coup, ils ne venaient jamais nous chercher. Et ça change tout. C'est vrai que si vous étiez tous les deux dans le coma, ça faisait une paire de coups. On était rarement les deux en même temps. Ah oui. Vous faites la prochaine course ou pas alors? Je sais pas, tu veux que je fasse? Tu veux que je fasse? Bah tu peux essayer. Ok. Mais sérieux, poussez-vous! Oh! Mais! Enfin! Arrêtez ça, la justice est là. J'ai perdu mon chapeau et je me sens toute chose. J'ai failli rejoindre la lumière tout à l'heure et... Non, j'ai glissé. Mais ça commence à faire beaucoup. Mais ça commence à faire beaucoup. Je passe une sale journée. J'en ai perdu mes lunettes. Tim! J'ai explosé tout à l'heure, Tim! Vous l'avez? Oui, c'était moi! Oh, bravo, Tim! Oh, j'aurais tellement voulu faire la course, mais j'ai implosé en plein vol à la fin du tour d'échauffement. Mais non, ils ne veulent plus que je la fasse parce que mon kart a explosé. Oui, ok, je comprends. Sauf c'est des gens qui ne l'ont pas fait ou c'est les qualifiés? J'étais croisé sur la route. Non, j'étais qualifié là, merci. Oui, mais là c'est la course des qualifications, c'est ou c'est une nouvelle course pour c'est du. C'est la troisième qualification. Ah, il faut que j'y aille alors! Allez, je vous laisse! Bonne chance! Jamais vu un vaccin.
pardon, excusez-moi. Oh là là. Ah, vous faites la course. Bon, je vais essayer de pas exploser ce coup-ci. Parce que c'était fâcheux tout de même. Allez, zou. Oui, j'ai explosé tout à l'heure, j'ai pas pu faire la course du coup. J'ai le droit de la refaire? J'ai implosé pendant le tour de chauffe. Pourquoi je suis coincé? Je suis coincé. Oui, mon carte ne bouge plus. Ah! Ah, mais vous avez le savoir-faire, vous! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Respect, si tu comptes, tu participes. Attends, mais il manque deux cartes, c'est bon. Ils sont juste là, un là et un là. Non, il en manque deux, il y en a, ça fait huit, je m'en fous. Un huit. J'arrive pas à démarrer mon carte quand je suis dedans, mais c'est fâcheux, mais pourquoi? Alors que nous allons chercher le carte qui manque, l'hélicoptère s'est trouvé nous assister sur cette recherche. Là, celui-là ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas, je ne peux pas. Je ne peux pas avancer. Bon, et bien tant pis. Prends ça, Kong. Sans la puissance. Oh, on la sent bien. Elle parle quelle langue? Mon carte ne fonctionne pas. Jésus me punit. Jésus me punit parce que je n'arrive pas à contrôler mon carte, c'est normal? Essayez de rester loin de moi, d'accord? Oui. MP. There we go. Vous participez? Bah écoutez, je participe. D'accord. J'ai compté tout seul, vous avez pas peur. Voilà, je participe avec les participants et je commente en direct. Vous êtes neuf à participer. Il m'en manque deux, par contre, là, je ne peux pas plus. La course va partir, les deux dernières personnes manquantes. Merci de vous rapprocher des kartings, s'il vous plaît. Alors que les concurrents sont en train d'échanger des stratégies... Oui. Je n'entends pas très bien avec les crissements de pneus, excusez-moi. Vous pouvez parler plus fort? Larry et Doggerman sont demandés au karting, s'il vous plaît, afin de pouvoir participer. Elle est absente, toujours tort, et puis on peut y aller. Allez, merci de rejoindre votre karting le plus vite possible afin que nous puissions lancer la compétition, s'il vous plaît. Vas-y, installe-toi, Larry. Allez, Larry, on s'installe, s'il vous plaît, sur le karting. Doggerman, est-ce que je vois? Doggerman. Monsieur Doggerman est demandé. Mais non, il n'y a plus de place. Non, je ne vois plus. Bon, mais c'est pas grave, je prends sa place. Allez, tant pis. C'est le tour de chauffe, on le rappelle. Merci de vous arrêter à la fin de la, du premier tour afin de refaire le vrai départ. C'est juste pour vous donner les premières sensations sur les kartings. Allez! Faites un petit décompte. Lâchez-les! Ah, ça a l'air sympa. Attention, 3, 2, 1. Vas-y,
Allez, tour de chauffe, c'est parti, allez-y, allez-y, c'est parti. Ah bah non, j'ai calé. J'ai calé. Mon cher monsieur, mon carte ne répond absolument pas, je crois que... La pédale de droite. Bah pourtant, j'appuie sur la pédale de droite, mais rien ne répond. Enfin, madame, là, vous êtes-tu confondu la droite et la gauche? C'est le coma de tout à l'heure qui me fait, qui me met dans tous mes états, je pense, non? Mais sortez du karting, moi, sortez du karting. J'ai été soigné par un médecin, pourtant. Les yeux, fermez les yeux. Oh, mais, oh, je... Voilà, essayez, cette voie mieux. Mais vos méthodes sont pas conventionnelles, monsieur, dis donc. Absolument pas. Oh, bah... Oh, c'est bon, ça fonctionne! Merci, monsieur! C'est confus! C'est confus, cette histoire! C'est très, très confus, cette histoire! J'en ai perdu mon chapeau! C'est à n'y rien comprendre! Attendez, je me dépêche parce que les autres m'attendent, du coup! Bon écoutez, elle m'a mis une sacrée patate, mais tout va mieux maintenant. Ouh, attention, essayons de ne pas exploser ce coup-ci. Enfin, attention au virage, Joséphine. Allez, Joséphine, tranquillement, on y va. Ouh là là. Attendez, je crois que cette patate m'a rendu un petit peu hystérique, j'ai tendance à rire de façon confuse. Joséphine arrive à toute berzingue. Pardonnez-moi. Voilà, pardon, excusez-moi, merci. Impeccable. Eh ben écoutez, pourquoi est-ce qu'il y a un quart vide là? Il arrive. Larry, où est Larry? Allez, Larry, mademoiselle Carter, ne restez pas sur la piste, s'il vous plaît. Vous êtes sur la piste, mademoiselle Carter. Mais attention! Tire! Disqualification pour usage de la force! C'est confus! Tu poses un sac de pneus, monsieur Tremblay? Les pneus d'hier? Ah merde, j'avais pas dit manger des flageolets ce matin! Je te demande, est-ce que tu vois, ça se crève des roues de karting? Là, je vais manger un petit gardien, là, parce que je commence à m'amener sur place. Si je touche ma tête, je me vois par terre, là! Il est pénalisé d'un tour. Voilà. Ouais, mais rien du tout, mec. Avec le bien feu. Alors que nous attendons. Il est où le. Il arrive. Non, mais il arrive à un moment donné. Et il arrive. Nous attendons toujours le dernier concurrent qui. Il arrive d'après le tir de l'organisation. Il est déjà là-bas, celui-là. Nous rappelons que seuls les trois premiers seront qualifiés au vu des trois courses. Ça sera donc une finale à neuf qui se jouera. Comment vous avez compté ça? Bah parce que... Vous avez pas les cinq premiers? Bah... merci, bonsoir. Allez, voilà, je suis journaliste, vous êtes policier, ça se voit. C'est vrai. Oh, ça c'est un petit peu... Il est un tout bas. Oui, c'est un magnifique carton. Non, il va pas finir dans le mur celui-là, non. Non. Il a dit ou il a dit quoi là? Il est là. Larry, s'il vous plaît, si vous pouviez vous dépêcher. Vous êtes attendu, merci. Allez, on se dépêche. Pour rappel, c'est 10 tours. Mais j'ai un problème. Vous reprenez la ligne, c'est le premier tour. C'est normal, d'accord? Et vous comptez les 10. À la fin du 10e tour, à la fin. Vous vous arrêtez bien sur le côté, chacun dans l'ordre, s'il vous plaît. Parce que je sais pas comment. Soyez êtes... courtois et réglo. Bon, c'est pas gagné dans cette ville. Vous lâchez le fumigène, c'est le départ. Attention, à vos mains. Partez. Jésus. Crois en moi et s'il te plaît, compte les tours à ma place. J'ai peur de me. Accident qui a empêché plusieurs concurrents. Dépoussez-vous. Mais attention, monsieur, enfin. Oh là, ça ne s'est pas fait dire, ça ne s'est pas fait le. C'est incroyable alors que nous sommes très certainement.
Attendez, moi je fais une promenade de santé, moi. C'est compliqué, Jésus, explique-moi comment on freine. Peut-être que je mette le frein à main comme ça. Ah oui, ça marche beaucoup mieux. Oh là là, c'est confus, Joséphine. Si je me prends le moindre choc, ça va mal finir. Attendez. J'arrive. Et deux, un. Ouh. Alors c'est là où il faut freiner un petit peu. Ouh là là! Au moindre choc, je sens que ça va mal finir cette histoire. Je vis un petit peu dangereusement, je crois. Oh là, mais monsieur! Encore un petit coup. On n'est pas rendu. Petit coup de frein à main. Hop là. Oui, alors un petit peu trop brutal celui-là, Joséphine. Monsieur T qui a l'air d'être toujours en tête. Oh, mais ça va être long, aussi long que ce permis, cette histoire. Oui, en effet, monsieur T toujours en tête. Dans cette course à tout faire, quoi. Mais enfin, mais vous êtes des brusques. Mon stagiaire qui vient de me faire les têtes. Attention, mademoiselle, je vous double. De deux. Ils ont un tour d'avance sur moi, les bougres. Je crois que je vais mal finir. Je crois que je vais pas finir cette course. Laisse passer le patron. Putain, mais... Laisse passer le patron. C'est bon, je maîtrise. Oh, c'est sur accident! J'étais pourtant si bien parti! Peut-être que je m'entraîne plus à ce jeu dont parlent les jeunes. Trackmania. Le jeu vidéo, ça rend violent, c'est sûr. Bon, ça va, je suis pas comme ces jeunes là qui font... jeu de rôle. Ça, c'est vraiment étrange, ça, pour le coup. Ah, ça rend violent, ça, j'en suis sûr. À la fin, on se prend pour un gangster. J'en suis à combien, Jésus? 3 ou 4, je suis perdu! Et les retardataires qui sont rattrapés par la tête de la course! Oh bah ça va, on parle de moi, c'est ça? Bravo, ils sont désagréables! Le retardataire, mais comment ils parlent? T'as qu'à dire que c'est parce que je suis une femme que je conduis pas bien, c'est ça? Rouler boulet. Mais allez-y, monsieur. Les accidents s'enchaînent, le bruit est incroyable et les balles de l'eau. Oh là là, on veut ma mort. À combien de tours je suis, Jésus? Tu ne m'as pas répondu. Je ne crois pas. J'ai du mal à regarder Jésus et en même temps à regarder le déroulé de la course. Ouh là là! Ouh là là! En même temps, les virages sont serrés.
À toute berzingue. C'est bon, je maîtrise de mieux en mieux. Ouh là là, ouh là là. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Attention, mais je me renverse toute seule, mais... À combien j'en suis? C'est mon cinquième. C'est mon cinquième, me dit Jésus. C'est confus cette histoire. On rappelle qu'il faut laisser passer les concurrents qui sont en avance sur vous. Comment ça? Et puis quoi encore? Ça veut dire qu'on a aucune chance si on laisse passer les concurrents devant nous. Quel dommage, mais ça bloque, c'est magnifique. Je bloque rien du tout. Je fais ce que je peux, j'ai une conduite aléatoire. Ils sont encore tous dopés, c'est pas possible. C'est quoi, c'était mon sixième tour? Oh pardon. De toute façon, je vais encore me cracher à tout moment. Voilà, qu'est-ce que je disais? Pardon! Oh bah c'est compliqué, hein! Oh! Oh! Oh bah pardon! Ah bah là, vous êtes un petit peu brusque! Attendez, mes muscles ne répondent plus exactement comme je voudrais qu'ils répondent! Ah oui, bah le dernier tour, oui, bah on y est presque. À trois près, oui. C'est presque ça. Oups. Grande finale qui va avoir lieu d'ici quelques minutes. Attention, mademoiselle. Attention, c'est la fin. Et c'est le... Oh bah alors, je crois que j'ai perdu la course. Jésus n'a pas été de mon côté. Bon, bon Teddy vide. Il m'en manque encore quelques-uns, je crois. Qu'est-ce que je fais, Jésus? J'abandonne? Finir, mais il y a d'autres courses ensuite. Merci de venir sur la piste. Nous appelons monsieur Lambert. Monsieur Lambert est prié de rejoindre la piste. Excusez-moi. C'est la finale, c'est trop tard. Bon, bah, tout est foutu. Hein. Oui. Tout est foutu. Oh là là. Maurice, monsieur Maurice, s'il vous plaît, merci de rejoindre la piste. Monsieur Lambert, merci de rejoindre la piste. Mesdemoiselles, si vous pouviez faire votre discussion blabla à côté, s'il vous plaît, nous essayons d'organiser les choses. Oh là là, il est désagréable, lui. Vous êtes ce qui appelle dans mes oreilles, moi, au bout d'un moment, ça va finir... Oh, pas votre fait, le sexisme, là, hein. De quoi? Oh bah il était un petit peu condescendant envers les femmes. Merci, toutes les personnes qui ont été appelées, merci. Ah bah oui, ça a l'air. Oh Daniel! Daniel? Oui? Vous avez gagné la course? Mais je participais pas, c'est vous qui participez. Ah bah oui, bah j'ai presque gagné, oui, mais ça dépend dans quel sens on le prend. C'est-à-dire que si on prend le classement dans le mauvais sens, enfin dans le...
dans le sens inverse, je gagne par exemple. Ah, c'est bien. Oui, voilà, c'est une façon de voir les choses, une façon de voir le verre à moitié plein, dirons-nous. Et votre cousin là? Eh ben, ah bah oui, mais on va l'encourager. J'avais peur qu'il ne fasse pas la course, il avait l'air de se décourager. Oui, non, top secret, il faut qu'on s'en aille vite. On appelle top secret, mais de la part de qui? Ah bah je peux pas vous dire. Oh mais si, vous pouvez me bien dire, je vous ai pris sur mon aile. On est à la malerie ensemble, mon cher Daniel. Ah bah écoutez, il faut que j'en parle avec mon cousin alors. Avant. Oh mais écoutez, il va mettre un petit temps, vous pouvez tout me confier, vous savez, vous pouvez me faire confiance tout de même. Non mais alors du coup, disons que il y a quelqu'un qui nous a appelé parce que... il est menacé de mort et du coup il faut qu'on aille l'aider. Oh mon dieu, mais vous avez besoin d'aide? Bah je sais pas trop parce que j'ai pas compris ce qu'il en était, c'est mon cousin qui l'a appelé. Ah d'accord, ah oui c'est confus cette histoire. Enfin, un petit peu oui. Ah oui, donc vous ne savez pas qui est à l'origine de cet appel? Non. Vous êtes sûr? Vous avez beaucoup hésité dans vos réponses mon cher Daniel. Non, je suis sûr. Mais vous me faites pas confiance Daniel? Mais si, je vous fais confiance. Mais moi, si j'ai confiance dans les croûtes, je pense que vous pouvez me faire confiance, parce qu'avoir confiance dans les croûtes, c'est quelque chose tout de même. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, tout le monde nous a dit au début de nous faire confiance, et puis il y a une arme à la main de monsieur. Mais moi, je vous fais toujours confiance. Qui vous a dit ça? Pourtant, moi, je vous aime beaucoup, les croûtes. Le prêtre, il a dit qu'il nous aimait bien, et après, il nous a tapé. Oui, mais le prêtre, apparemment, là, le sang du Christ lui a un petit peu monté au cerveau, je crois. Oui, ça, c'est bien tout ça. Ah bah oui, je... En plus, ça me fait de la peine, personne ne vous croit. Il vous a tapé. Moi, je suis de votre côté, vous savez, depuis le début. C'est très gentil. Bah oui. Écoutez, j'attends que mon cousin revienne et qu'il vous expliquera tout parce qu'il m'a pas trop expliqué. En fait. Ah oui, d'accord, c'était confus ces explications encore. Attendez, j'essaie de m'asseoir, mais mes muscles. Sont compliqués là. Ah, attendez, je vais dépanner un quartier. Vous avez les genoux qui glissent? Ah bah, j'ai. C'est ma braguette en fait, voilà, c'est bon. Ma braguette était trop serrée. Beaucoup trop serrée, oui. Oui. La première expérience moins que la deuxième, je suppose. Ah bah qui dit, écoutez, c'était difficile de faire pire qu'un coma, effectivement. Après, le classement n'a pas été à l'auteur de mes attentes. Ça dépend dans quel sens on prend le classement. Ça peut être très positif comme très négatif, voilà. Ah si, il faut s'exposer. Moi, je n'ai pas explosé, je suis mort de soif. Ah oui, c'est pas terrible non plus. Oui, mais mon cousin, il a fait ça tout à l'heure, il parlait à Donatien, il lui a dit que on pouvait avoir confiance en nous et il a fait un malaise. Ah oh bah dis donc. Ah oui. Bon, oui, monsieur Hervert, peut-être qu'il y a un règlement de compte, là. Hermané, là, je crois. Que... Non, c'est celui des jaunes, ça. Ah bon? Bon, j'en sais rien. Bon, moi, je suis pas, vous savez, je comprends rien. Ouais, je comprends rien non plus. On veut jamais rien nous dire de toute façon, et quand on nous dit des choses, c'est pour se foutre de nous. Oh non, les croûtes! Oh, vous traversez une petite phase dépressive, les croûtes! Bah, je vous avoue que là, c'est pas facile en ce moment parce que tout le monde nous rejette et. Bah, il faut se ressaisir, les croûtes, enfin! Être heureux, c'est un état d'esprit! Après, dès que vous retournerez au domaine, ça ira. Oh, mais c'est Lucie qui est là! Elle était pas du tout qualifiée, Lucie! Allez, attention! Mais c'est vrai, pourquoi elle est là? C'est pas. Imaginez, elle gagne. Oh, bah. Monsieur. Bonjour, monsieur. Et vous, ce monsieur-là, tout à l'heure, il nous a rendu malade. Ah oui, c'est une étrange salopette qu'il porte. Ah. Partez, monsieur, vous avez la grippe. Ah, d'accord. Oui, monsieur. Vous allez mieux maintenant? Ah, écoutez, ça va. Ça va, ça a été difficile, mais ça va. Et après, je suis encore tombé malade. Ah bon? Ouais. Et comment ça se fait que vous tombez malade comme ça? Bah, je pense que c'est quand je suis arrivé tout à l'heure à l'aéroport, c'est les cacahuètes, elles étaient pas très fraîches. Ah oui, ça arrive. Oh, bah, l'aéroport, c'est ignoble. Ce qu'on y mange, c'est horrible. Ah ouais, hein. Et, je peux pas très envie de ça faire. Il y a du coup, dans le bidou, et complètement malade. Moi ça va mieux. J'attends mon cousin parce qu'il va peut-être gagner. Ah. Et oui, il était combien là? J'ai pas vu moi. C'est Antoine. Antoine Croûte. Ah, c'est celui qui était malade aussi? Oui. Ah, avec les chaussures qui faisaient une lumière. Oui, c'est lui, il a les chaussures bleues qui font la lumière. Ah.
Ah, moi, il y a Ed aussi qui était avec moi. Là, oui. Avec les cours, là, je sais pas où il en est. Et donc, les zigzags du secteur 2. Alors, allez. Ah, il est là. Ah, il est quatrième. Non, 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 non. Troisième. Regarde. Oh, les deux sont crachés. Donc on a gagné. Mais c'est tête, non? C'est pas du tout. Je ne connais plus la vie maintenant. Quoi? Moi, j'ai pas compris ce que c'est. Allô? Ça va? Pourquoi tu m'appelles? Concentre-toi. Ah oui, c'est pas très prudent en volant, enfin. Ah, t'es derrière. Ah, mais on pensait que t'étais troisième, en fait. Edouard qui dit, je peux vous poser une question? Oui, allez-y. Est-ce que vous avez entendu parler des vagos? Ah ouais, c'est les mecs en jaune là-bas. Là. Attends, en jaune là-bas, et ils sont fréquentables? Vous êtes un vagos, ça, monsieur? Ah, mais je croyais que vous parliez à moi, la question. Ah bah, je peux aussi vous poser la question, ça m'intéresse de savoir. C'est quoi, hein, quoi? Alors, on m'a parlé de vagos, et je ne connais pas ces personnes, apparemment c'est une famille, et je ne les connais pas, et j'essaie de me renseigner. Ouais, c'est une famille qui font un sport de fond, si vous voyez ce que je veux dire. Du transport de fond, mais alors rien de très particulier dans ce cas-là, non? Oui, évidemment, on se comprend bien. Qu'est-ce qu'ils mettent au fond? Ah, ils mettent des choses qui sont parfois pas légales, mais... Pas légales? Bah, vous savez, ce qu'on a fait au bar, c'est eux qui peuvent fournir, par exemple. Qui dit? Non, mais... Doucement, qui dit? Pardon. Dieu nous regarde. On a passé une petite soirée ensemble, c'était rigolo, mais... Ça a tiré un coup de feu, par contre? Ouais, c'est un moteur qui a explosé, ça. Ah, d'accord, tout va bien, alors. Ah, c'est mort. Ah, mais du coup, il... C'est quoi, au bar? C'est trop tard, c'est la merde. On a chanté, et puis voilà. Ah, vous chantez bien. Sur la plage, il y a eu des morts. Oui, il a été ressuscité. Ah, je crois qu'il veut pas trop me parler. Je sais pas, vous êtes en mauvais terme? Non. Alors, mais qui est... Parce que je suis en plus, enfin, tu vois. Bah, écoutez, je sais pas vous le dire, mais effectivement, maintenant que vous ouvrez la brèche, effectivement, vous avez une odeur un petit peu prononcée, dirais-je. Ouais, mais on a marre, hein. Tout le temps, les gens, ils me jugent par mon odeur. Bah, si vous mettiez un t-shirt sous votre salopette, déjà, c'est... Bah, vous entendrez bien avec les croûtes, alors. Et quoi? Les croûtes. C'est quoi? Hein? Parce que ce monsieur est un petit... Ce monsieur est rejeté, vous entendriez bien? Ah, après je vais avec le cousin, Eduardo. Et rappeur, il me dit. Oui, et je suis son... Il m'a dit qu'il avait besoin d'un argent, du coup moi je suis son argent. Oh punaise! Oh là! Ah lui il a dû taper le poteau. Ah, le plomb il est aussi dur que le poteau, hein. Ah oui, c'est sûr, il a tête creuse, peut-être. La petite chemise jaune. Ouais, je me demande qui c'est qui a gagné. Bon, Anthony, il est toujours pas là. Merci à vous d'avoir participé. Merci à Wesson News Sport d'avoir sponsorisé. Oula! Oula! Oh monsieur! Il faut pas aller là. Oui, ça va être le suraccident, tout va bien. Tout va bien, monsieur. Le vol plané, là. C'est le monsieur là-bas, là. Avec la chemise de sac à dos. Oui, il était sur le milieu de la piste aussi. Non mais j'ai cru que c'était fini, bordel. Monsieur, pardon pour vous être entré dedans. C'est pas grave, c'est bon, c'est le genou, ça va. Bon, si le genou, ça va. Bonjour Lucie. Putain, merde, vraiment. Hello. Hello. Comment ça a réussi à participer à une course sans être qualifié? Ah non, quel enfer. Mais c'est parce que je suis... Quel enfer. Avec ces deux gens comme ça, c'est bien, c'est fini. Mais nous aussi, on n'arrête pas de dire ça. Oh, t'es bien. Les gens, ils nous disent tous qu'on est spéciaux, mais c'est pas toujours les spéciaux. Et le prêtre, il nous a tabassés. Oui, on s'est fait tabasser par le prêtre. Quoi? Pardon, comment ça, oui. Le prêtre? Mais c'est qui le prêtre? Moi, je ne connais pas le prêtre. Attendez, deux secondes. Excusez-moi. Pasteur. Je sais que je ressors la blouse de journaliste. Ah, c'est vrai que vous êtes journaliste. Attendez, le pasteur, ah, William, vous êtes tabassé?
Oui, bah attendez, il faut que mon cousin oui, il arrive. Ah, j'ai un appel. Terminé. Attendez, je reviens vers vous tout de suite, Sarah. Allô. Oh. Oh mon Dieu. Oh non, quelqu'un est à terre. Vous le voyez? Non, je ne vois personne. Oh si, je vois des pieds. Ah, et du coup, vous avez pas été qualifié? Oh bah, ça dépend de quel côté on prend le classement. Mais c'est Tim! Mais Tim, tout va bien? Vous avez explosé! Okay. Terrible! C'est pas une piste de moto? Bon! Ah oui, ça percute pas, ouais, je connais. Ouais. Bon, du coup, c'est qui le prêtre? Moi, je connais pas le prêtre. Oh, le pasteur! J'avais rencontré le pasteur William aussi. Ok, bon, au final, tu vois, c'est peut-être pas plus mal. Mais c'est pas les gens qui disent qu'ils entendent des voix dans leur tête alors que... Pas du tout, c'est Jésus qui nous parle, ça n'a rien à voir. Oui, mais Jésus, il n'existe pas. Oula. Comment ça, Jésus n'existe pas? Mais Tim, dites-leur. Qui êtes-vous, là? C'est vous, la Lucie, là, de le... C'est vous, Lucie? Oui, la Lucie de quoi? Comment vous adressez à elle, hein? Non, je l'ai vu, on s'était vu dans le groupe 6. Le groupe 6? Avec le monsieur de la Montares. Je me souviens pas. Mais si, on avait eu le lance-roquette. Ah, ok. Vous aussi, vous aviez votre queue à la place de la tête. Bah, je vous ai pas reconnu, oui. Du coup. J'étais tout déformé. Ah oui, c'est pour ça. Mais oui, mais en même temps, quand vous avez le bras qui traverse le front, c'est compliqué. Hein. Oui. Ah. Et du coup, vous voulez rencontrer notre père? Ben, en fait, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que depuis que je suis arrivée dans cette ville, je dis que je suis accompagnée par quelqu'un, et tout le monde me prend pour une personne un peu bizarre. Ben, et vous là, êtes accompagnée par Jésus ? C'est de Jésus ? Non, il n'y a pas de Jésus, il s'appelle Ted. Et donc, du coup... C'est un peu son Jésus à elle, c'est ce que je dis. Mais ah non, oui, ça revient au même, finalement. Oui, qu'elle s'appelle Jésus ou Ted, ça ne change pas grand-chose. Et du coup, vous êtes en train de dire que Ted... Vous voyez Ted, vous aussi ? Bah on le voit quand tu le vois, tu sais, on est content. Moi je le vois, oui, moi je le vois. Oui, on le voit tous. Vous voyez Ted? Oui. Non, on le voit quand toi tu le vois. C'est nouveau ça. Mais... Pourquoi tout le monde me dit depuis le début que personne le voit et maintenant qu'il s'appelle Ressus, tout le monde le voit? On le ressent, dirons-nous. De quoi il parle? On le ressent. Bah la dernière fois quand on a pris une voiture de policier, il a pété, bah je peux vous dire qu'il l'avait tous senti aussi. Hein. Il a pété, je crois. Je crois qu'on parle pas du même Jésus. Hein. Non, effectivement, ça a l'air un petit peu confus cette histoire. Bah, vous voyez quelqu'un ou vous voyez pas quelqu'un parce non, que je vous affine. En gros, son Jésus se manifeste alors que le vôtre est plutôt une figure imaginative. Oh, bah, elle a bien de la chance s'il se manifeste. Moi, j'aimerais bien qu'il se manifeste plus souvent, mon Jésus. Oui, voilà. Alors, ne lui dites pas que c'est une figure imaginative. Hein. Il est vraiment là, je peux vous l'assurer. Ah, moi, je parlais de Jésus, pardon. Jésus est une histoire dans laquelle on peut croire et on peut croire en ce retour. C'est mais... une histoire, Jésus. De quoi vous parlez? C'est un fait historique, je veux dire. Et qu'est-ce que. Ça va, Lucie? Moi, j'en sais rien, je ne connais pas. Bon, du coup, il y a un monsieur qui fait croire à plein de gens qu'il y a quelqu'un dans le ciel et tout le monde l'écoute, c'est ça? Il y a une prise d'otage. Oh là là, c'est pas vrai. Vous connaissez les mormons, d'otage? Comment vous savez, il y a les prises de l'otage? Les quoi? Les mormons, c'est un peu la même idée, mais c'est un mec con qu'on croit, c'est encore pire. Oh, j'ai cru que c'était un fromage, excusez-moi. Pareil. C'est confus. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé, là. Elle est schizophrène. Vous pensez? Ah, j'en suis même sûr, j'ai déjà vu ces deux manifestations. Et c'est pour ça. Et Ted, je crois qu'il est un peu plus dur que Lucie. Hein. Et du coup, Lucie, bah, elle le vit difficilement. Ah d'accord. Oh, attendez, je vais essayer de faire le cartes sur la route. On peut prendre des cartes. Attendez, j'en prends. Vous voulez peut-être... Oui, faisons la balade en fait. Oh, mais très bien. Oh, chouette alors! Par contre, je vois toujours mon cadavre, je ne sais pas si c'est normal. Je shoote dans mon propre cadavre. Je ne sais pas pourquoi je reprends ce cadre, ça ne m'a pas réussi la première fois.
Oh oui, oh bah, ils ne sont pas en chamallow, ça c'est sûr. C'est bon ? Allons-y ! Doucement ! Passe, passe, passe. Voilà, oui, passe, attendez, passe. Voilà. Vous pensez qu'on peut faire le plan à la station de service ? Ah oui, c'est une affaire à tenter ! Oui, non, moi j'ai plus d'eau. Ah, alors oui, j'en ai, si vous voulez. Ne bougez pas. J'ai du vin, si vous voulez. J'ai du vin et de l'eau, je pense que l'eau serait plus raisonnable. L'eau est plus raisonnable. Comment ça, t'as du vin, toi ? J'achète beaucoup le vin. Plus de tâches, rouille. Proche de la course ? Ah bah venez, on va voir. Ah bah on va voir en carte. Vous voulez de l'eau ou pas, mon cher Kiddy ? Oui, je veux bien, je veux bien. Et... Pardon, peut-être que je sors de mon véhicule. Oui, c'est plus pratique. Visiblement, vous êtes mono. Ah, ça, c'est les hommes, ça, ils ne savent faire qu'une chose à la fois. Alors attendez, j'ai perdu le contrôle de mes muscles, attendez, j'arrive. Y'a pas de soucis, tant que je meurs pas de soif, ça ira. Oui, voilà, je vous donne de quoi faire. Ah, merci beaucoup. Bon, allez, on est parti, il faut... Voilà, on est parti. C'est dangereux, hein.